C'est parti, match de TFT avec Loello, Younid, Nilad, Sharon, Alexis, plus 2 viewers. Plus 2 viewers, on joue le top 1. Là c'est le top 1 pour la vidéo YouTube qui s'appellera Je démonte Younid et Loello à TFT. C'est parti. Alors c'est maintenant, c'est l'instant. Bon, je sais pas sur quoi on va partir les viewers là, mais on va essayer de faire un truc chaud là. Je pars pas comme Loello parce que Loello il fait toujours la même compo, ce bâtard. Loello il s'en bat les couilles, il est prêt à nous faire perdre tous les deux hein. C'est le pire des joueurs, Loello. Attends, y'a pas de. Ah si, y'a Loello, j'ai pas vu. Loello, viewer, Alexis, Younid, Sharon, Nilad. Ok, y'a tout le monde qui est là. Tout le monde est là. Allez, c'est maintenant. Bon, j'ai pris la Ellie spatule. Spatule en vrai c'est toujours bien. Je sais pas, spatule ça m'a l'air toujours tellement fort en vrai. En late. On joue le late, on joue le late hein, du coup là. Par contre on va pas jouer métamorphose encore hein, parce que le Loello. Regarde, sûr que le Loello il a fonctionné exprès un truc métamorphose. Il a pris Brome avec la baguette. Ok. Non, le jeu sur Steam c'est sur LOL. Il faut juste aller sur le launcher League of Legends. Ça s'appelle combat tactique. T'as le Loello, je vais le démonter. Je rappelle qu'on stream... ouais, on streamera juste après ensemble avec le Loello. Ah, c'est ça. Ça va être une belle ambiance, je pense. Hein. On risque de s'engueuler en cast. Hein. J'ai pas LOL. Bah, tu le DL, c'est pas compliqué. Hein. C'est gratuit. Hein. Ok, on a eu un item. Full chat. T'as la Elise en early, elle galère tellement. J'ai eu deux items. Allez, commence bien. Putain, il y a double Fiora. Ah, oh, mais j'ai pas envie de jouer Fiora. C'est de la merde, putain. Fiora c'est mort quoi. Tellement de la merde la vieille Fiora quoi. Allez. Oh là là, là j'ai deux Fiora. J'ai pas envie de jouer noble. Ils ont pris quoi les autres? Et Younid il est parti sur Sauvage. Sauvage aussi Warwick. Warwick x2 aussi ici. Loello Warwick, Nidalee. Ok ils jouent tous Sauvage hein. Personne joue noble. Pourquoi il y a déjà la Warmog sur Warwick ici? Et là ça joue Fiora, ça joue Grave, ça joue plutôt Pistolero. Ok bon en vrai on va éviter Sauvage du coup, on a bien compris hein. Ils sont tous partis dessus comme des Mongols là. On va être plus intelligent nous, ok. On va être plus technique qu'eux. On va être plus technique. Ok on va être technique en prenant triple Fiora du coup. Ça va être technique ça pour le coup. La question c'est bon. Encore ici. Pour l'instant, on s'en fout. Ça fait quoi déjà? Je suis pas chaud pour jouer noble parce qu'ils vont me deny Kayle. Ils vont faire exprès de me deny Kayle en fait, ces bâtards. Comme ils écoutent ce que je dis. Ouais, c'est de la merde de mélanger les deux, c'est pas fou sur elle, je crois. Allez, full item. Parce qu'on a pas eu d'item le coup d'avant là. Allez, full item. Zéro item pour l'instant. Allez, item. Pas d'item. Ok, item nice. Ok, ça c'est cool ça. On va lui donner speed. Et... c'est pas mal ça. C'est bien marrant cette partie quand même. Hein. Bon, la Fiora va être énervée. On va jouer le bonus victoire du coup, évidemment. Est-ce que du coup j'achète quand même Lissandra? Ouais, non, Lissandra, ouais. En soit, je peux les acheter, ça coûte rien, mais bon. Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien, on jouera jamais ça, c'est pas possible. Après, en vrai, si j'ai. Et je peux deny le Warwick. Au pire, en tout cas, je peux deny leur Warwick, de toute façon. Ils jouent tous Warwick, donc. Je vais prendre Lissandra parce qu'au pire, je la revends au prochain tour. Et comme ils jouent tous Warwick, quasiment, je vais leur deny. Là, je vois pas comment je peux perdre, là. Il a rien de tier 1. J'ai deux Fiora. J'ai deux Fiora qui vont s'énerver entre elles. Ah, le stun a fait super mal, par contre. Putain, elle a fait son Q dans le vent cette connasse. Quand même gagner, hein, mais. On va essayer de faire 3-0 du coup là. Hein. Ça devrait quand même le faire, hein. Pef. J'avoue que deny Warwick c'est bien, je pense. Comme ça, ils le chopperont pas eux parce que la boutique est commune du coup, je rappelle. J'ai bientôt Fiora tier 3 quand même, hein. C'est pas mal. Qu'est-ce que je pique d'autre? Je pique rien, je pense. Nick. Le holo DG dernier, hein, rappelons-le. Hein.
Le Wello déjà dernier, ça commence bien. Commence très fort pour le Wello hein, ici qui montre tout son savoir-faire dans le jeu. Il nous montre vraiment tout ce qu'il sait faire ici le Wello. Ça fait plaisir de voir que... Attends, je me suis dit Nidalee en fait hein. Il joue tous, regardez. Genre par exemple le Wello il joue Nidalee Warwick tu vois. Je sais pas si je peux aller voir, pourquoi je peux aller voir le Wello. Clique sur le Wello. J'arrive pas à aller voir le Wello. Ah, c'est parce que je suis contre lui en fait. Je suis contre le Wello. Regardez, il joue Nidalee Warwick il joue. Moi je les deny tous, ils jouent tous ça. J'en vendrai dès que je pourrais mais... 3-0, aïe aïe aïe. C'est un sévère 3-0. Après il fait exprès je pense qu'il joue la lose hein. C'est un sévère 3-0 infligé à Bro Wello ici. Non reroll au début c'est pas worse pour le coup. Bon Vayne hein. J'ai le bonus noble. Après jouer noble ça me fait chier. Tellement cancer il s'arrête pas. Comme si le début comptait. Et le Wello, le Wello ça compte le début, t'es avant dernier c'est mieux là. Alors t'es dernier égalité, pardon. Attends, Unid il est parti sur quoi Unid du coup? Unid il joue aussi toujours un peu sauvage. Par contre Unid il est parti sur une veine, ça me fait chier ça. Après je sais pas si j'ai envie de jouer noble hein. J'ai juste la Fiora qui avait nerf mais je sais pas si sur le long terme j'ai envie de jouer noble hein, pour le coup hein. On est encore contre le Wello. Encore contre le Wello. Il est Nidalee tiers de le Wello. La revanche contre le Wello ici. Qu'est-ce que ça va donner du coup? Et, non, non on a déjà mis un 3-0. On va quand même mettre un 4-0 quand même. Non c'est impossible. Non mais j'ai jamais lui 4-0. Non pas 4-0 quand même ça va. On est pas 4-0 par contre un bon 3-1 peut-être hein, quand même hein. Un 4-1 pardon, un 4-1. Un 4-1 c'est un beau poème aussi le Wello donc c'est pas grave. Ah le 4-1 hein. Aïe 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 aïe. Ah c'est dur là ce qui se passe hein, pour le bro Wello hein. Bon du coup je pique en dernier, je veux crever du coup. Parce que je me fous de leur gueule, oh, il va tellement prendre le Warwick avec le speed, l'attaque speed le Wello comme il est dernier. Et il est avant, il pique pas en dernier, il est pas... Je sais même pas ce que je veux, en fait je sais même pas ce que je vais jouer finalement hein, concrètement. Juste que j'ai une Fiora, Charlotte qui a pris le Warwick du coup. Limite Kha'Zix attack speed. Putain ils ont pris tout ce que je voulais prendre quoi. Je vais prendre Poppy, je vais switch Yordle. Non. Je vais prendre Veigar. Il y a un monde, personne n'a pris Yordle. Il y a un monde où je switch Yordle. Il y a un monde où j'en ai rien à foutre, je switch Yordle en vrai. Plus qu'une Fiora. Non mais tout ce que je sais, tout ce que je sais, c'est que potentiellement je vais prendre des magiciens, des sorciers derrière mais. Et vu leur compo, je pense que sorcier ça les détruit quoi, y'a aucun qui joue assassin. Tellement il prend ça quoi. Tellement il bug Morgana quoi. Non, je vais pas la. Ouais, je vais la boy, je pense aussi. Au pire, je lock. Mais j'ai pas vraiment envie de lock ça, quoi. Non, vas-y, je lock pas, Nick. Je la prends pas, je pense. On est contre Sharon. On a encore une. Là, on a une compo qui est pas top, du coup, là, parce qu'on se retrouve dans un moment un peu loin de la... lointain de la partie où on a deux fois le même truc, quoi. On a pas vraiment de combo. Donc Sharon devrait nous démonter. Ouais, c'est logique, hein. Elle m'a démonté. Sharon, elle a une compo là. Mais Sharon, elle a la Warbox sur le Warwick depuis le T1 de la partie. C'est pas normal, ça, quand même. C'est pas normal ça. Salut Félix. Go maître des lames et impérial. Why not. Ouais, je vais pas prendre. Je vais juste vendre ça. Je passe hein. Je vais jouer la série de défaites sur les prochaines du coup. On a plus de série mais. On va jouer les golds là, hein, tranquille, income. Il est bien ce jeu, en vrai, vous savez pourquoi j'adore ce jeu, c'est qu'en fait quand je joue le soir je peux regarder une bonne série Netflix à côté. C'est trop bien. Et en stream ça met, même si c'est lent ça me met masse pression. On est contre le viewer qu'on a invité. T'es il a déjà un brand lui. Parce qu'il est passé niveau 5. Ça c'est la fête hein, il a eu un brand et tout quoi. Et il va me démonter du coup hein. Par contre l'encore commence vraiment très cher. Attends on va passer derrière le Wello à ce rythme là hein. Non ça va, il est tellement loin le Wello là que... T'as Unit qui a invaincu depuis le début. Comme le mec qui vient de me péter là, invaincu. Je rigole le Wello. Il manque une Fiora quoi. On veut jouer avec Darius du coup potentiellement. Je vais quand même prendre l'XP pour la qualité de ce qu'on récupère quoi. On est chevalier. Je vais pas jouer Endob c'est sûr. Avec 30 gold, t'as plus 3 de bonus. Là, on est le bonus série de défaites.
Mais je sais pas si elle va s'arrêter si on gagne contre le PvP. Le PvE. Ah bon, il y a qui, c'est qui Watch Me? Ah, c'est Nilad. Apparemment Nilad va mourir contre les golems en direct. Et moi aussi peut-être en fait du coup, donc il y a clairement moyen que je meurs contre les golems moi aussi, donc, parce que là, en plus ils foutent comme des canards ces bâtards là. Je vais même pas en tuer un, je crois, de golem. Je vais même pas en tuer un, tu sais. En fait quand on tue un il régène les autres. Et je vais en tuer un genre. Mais même pas, je vais même pas tuer un golem. Ils vont régène comme des canards, vous allez voir. Non vraiment. Non mais c'est le pire focus que j'ai eu de ma... Franchement, j'ai mis autant de poisse je crois. C'est ouf. C'est ouf la poisse que j'ai eu quoi. Après ça va continuer la série de défaites. Après je suis pas sûr que ça compte du coup mais... Bon je vais arrêter de deny leur Warwick de merde là. Je continue la série de défaites jusque... Là on va continuer de perdre exprès. Là on continue de perdre exprès jusqu'à la phase de pique. On va être dans les derniers là. C'est le viewer qu'on a invité ça. Un des deux viewers. Y'a un placement opti sur les golems ou pas? J'ai pas encore appris le placement opti sur les golems. Je crois les golems je galère du coup. Parce que c'est l'early, ça c'est triqué. Après faut pas trop perdre mais perdre un peu quand même pour perdre des PV c'est cool. Pour pouvoir être dans les derniers. Bon là on va prendre quand même cher hein. J'avoue qu'on arrive à un peu cher. Tout à droite? Ah ouais? Ouais, pour qu'il tape tout le golem de droite. Je vois. Un perso à gauche, il reste à droite pour les golems. Ok. Merci. Bon tips. J'ai pas resté à 50 gold, c'est abusé quand même. Ok, j'ai Fiora tier 3. C'est pas mal. Bon, le Brand, on s'en fout. Shyvana aussi. Là je joue maître des lames plus impérial du coup, c'est ça qu'on joue là potentiellement. C'est ça qu'on veut jouer à terme. C'est ça que j'aimerais bien jouer. Ok, donne lui les objets. A qui? À Fiora. Mais il est bien cet objet là. Mais Fiora c'est pas vraiment un tank Fiora non si. En fait la spatule, y'a pas moyen de donner maître des lames grâce à la spatule. Si on peut hein, grâce à... Mais elle a déjà maître des lames aussi. Non c'est qui la spatule? Allez par terre je suis bête. Attendez je réfléchis là mais... Là on va perdre je crois. Ah quoi qu'elle est tier 3 elle peut peut-être le tuer. Au moins le tuer. Ah allez. Allez tourne chaîne, tourne. Non je déconne. Ok c'est bon on va gagner grâce à Fiora. Oh la Fiora quoi. Ah elle a fait... Putain par contre quand elle rate son Q je veux crever. Il arrête de dash lui. Ok nice. C'était Nilad. Si on peut hein. C'est quoi déjà pour Est-ce que je peux donner le buff rouge là? Les deux ça fait buff rouge. Mais comme la Vayne elle est pas amenée à rester je pense dans la partie. Impérial. Je perds un homme et je gagne impérial. Ou alors j'XP x3. Mais je perds beaucoup de... Putain. Je me tâte tellement là. Ok. C'est pas opti niveau gold. Merde. C'est pas opti niveau gold mais c'est vraiment opti niveau ce qu'on va récupérer au prochain tour quoi je pense. C'est quoi? Faut l'arc et la spatule pour donner maître des lames. Je pense qu'en fait ça peut être fort si je donne maître des lames et ça peut être fort hein. Le noble c'est trop fort. Non le noble à 3 c'est vraiment pas top. Pour le coup. Mais on va quand même le garder. Parce que ça c'est mieux que de ne pas l'avoir quoi. Et là on va essayer de chercher le bonus victoire du coup. On est contre Yunid. Yunid qui était premier. Qui est premier en fait. Non il est plus premier Yunid mais là j'avoue que c'est un peu dur celui-là là. Ah, celui-là c'est compliqué. Yunid nous a démonté mais c'est presque une bonne nouvelle. Parce qu'il nous a démonté juste avant le tour de pic. Y'a rien de bien pour moi l'acier. L'arc. En fait je sais pas qui est maître lame en fait, je connais pas les maîtres lames. J'ai été prendre l'arc. La Fiora a pas joué, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Léona est noble, je joue pas noble. Noble si t'en as pas 6 ça sert à rien. Ouais, c'est Draven qui me faut un maître lame hein. Y'a que 3 maîtres lames dans le jeu. C'est un potentiel d'e-sport pour TFT. Bah à partir du moment où il y a des joueurs, il y a un potentiel d'e-sport, c'est comme ça que ça marche. Faut Draven, sa mère. Kata. Du coup là je peux potentiellement donner maître lame à quelqu'un. Mais je sais pas à qui je veux le donner.
C'est l'occasion de prendre genre un Brand et faire un... Ouais mais Brand c'est pas... Je sais pas si quoi. J'ai des objets, c'est compliqué de décider sur qui on l'utilise. Il faut vraiment qu'on dégage la veine hein, là. Là j'ai un... C'est comme si j'avais un perso qui servait à rien là sur le board là. Une veine sans item. Ok, nice. On est contre Nilad, ça a l'air de le faire. Hein. La Fiora à 3 elle fait quand même des choses. Hein. Ok, c'est pas mal. La veine sert au noble. Oui, mais le noble on s'en fout. Enfin, bientôt on s'en fout du noble quoi. Bientôt je pense qu'on s'en fout. Je vais quand même prendre Vayne. Attends que c'est Maître des Lames. Du coup, autant faire ça en vrai. On gagne Maître des Lames. Ah oui, ça peut aller jusqu'à 6 Maître des Lames en fait. Je viens de capter. Ok, bon. Très bien du coup. Swap. J'ai Vayne à 3 de nouveau du coup. Du coup, je vire le Garen. Ça m'enlève quoi de virer le Garen? Il est Maître des Lames, Garen? Non, pas du tout. Ça enlève Chevalier, mais on s'en fout. Vaut mieux. Le Garen est juste horrible en fait. Le Garen est juste horrible, je pense. C'est pas mal comme ça. Ok. On est contre Charon. Et on perd pas contre Charon, les gars. Alors, sinon, on donne Maître des Lames à Vayne. GP. Ah oui, GP, Maître des Lames. Putain, je suis con. Oh merci. Je connais pas encore tous les trucs. Je connais beaucoup, mais j'ai pas tout appris encore. Bon, Charon qui est quasiment en première. Charon qui fait le beau jeu là. Oh là là. Allez. Ah, elle s'est fait geler la connasse. Bon, c'est pas grave, on perd. Par contre, on commence à être pas bien niveau PV quand même. Ça devient tendu là quand même, ces conneries. Hein. Niveau PV, ça devient tendu quand même. Faut recommencer à dépenser 20 gold par tour là, je crois. Hein. J'ai envie de garder mes gold là, mais bon. On peut pas être greedy à ce point, hein, Jérémy quoi. Putain, je m'engolise tellement là. Je suis paumé. HP c'est mieux. Au moins bien. Je peux faire 3 mètres des lames. C'est de la merde. Ok, j'utilise mes objets. J'ai donné les red buffs à Fiora. Je pense que c'est bien. Je pense que le red buff. Putain, le Darius par contre là. Il s'est fait détruire par les loups quoi. Ce bâtard. J'ai donné les red buffs à Fiora. Je pense que c'est bien. À mon avis. Enfin, à un moment donné, faut utiliser des objets quoi. Sinon, on va perdre. Garde tes sous pour le PVE. Yep. Ok. Ok, j'ai Draven. Ça m'avait l'air important ça. J'ai XP, je pense. Full Draven. Donc là, je suis à 4. Si je vire la veine pour mettre le GP, je suis à 5. Et si je donne Maître des Lames. Ils ont tous Maître des Lames là? Non, lui il l'a pas. Donc là, je donne à Darius Maître des Lames. Après, la question c'est est-ce que je veux lui donner Maître des Lames à lui quoi? Ou est-ce que je vais donner Maître des Lames à la veine plutôt? Après, lui il est impérial. Impérial, c'est important dans ma stratégie du coup. Et Aatrox, il y a Aatrox et Darius aussi. La question c'est est-ce que je donne Maître des Lames à... C'est-à-dire qu'on se le coltine jusqu'à la fin ce bâtard. Je vais prendre quand même le temps de la réflexion sur celle-là. Est-ce que votre avis je donne Maître des Lames à... Parce que Impérial c'est fort non? Parce que Draven est Impérial c'est ça hein. Ouais donc on... Putain ils m'ont le Draven là. Wouah je suis fait bouillave. Oh Shed il est en train de tuer les gens sur la fin là mais... Oh, c'est chaud là ouais on y va on peut pas hein. Non, on peut pas se permettre, on y va là. Kata. Ok, donc on met Maître des Lames à. Donc là on a un Maître des Lames. C'est fort, on m'a dit Maître des Lames. Vous avez pas intérêt à me troll, hein, c'est intérêt à être fort. Hein. C'est vrai que ça aurait été mieux sur un ADC, je pense, mais bon. Genre sur... On a pu pick Kindred et partir là-dessus. Mais... Tant pis, maintenant on va jouer les Karthus. Ah, c'est de la merde. Enfin, c'est bien, mais. Là, c'est horrible. J'ai encore une Kata. J'ai Aatrox tier 3. Après. Qui je donne le PV? Je suis contre le viewer. Je suis contre le premier là. Donc s'il me casse la gueule, ça pue. Hein. Après là, j'ai fait des trucs. Oh, Maître des Lames! Ah, ça fait des dégâts quand même, Maître des Lames. Hein. Ah, ouais, ça a l'air fort quand même, Maître des Lames. Hein. Ah, ouais, c'est fort. Hein. À qui je donne ça? À qui? À Katarina plutôt le spell power, non? Kata, c'est bien le spell power sur elle, non? Vous en pensez quoi? Ok là on est bien là. Ouais PV baguette à Kata hein. On est d'accord hein. Ok j'ai Swain qui est impérial. Putain j'aurais peut-être pas dû donner à Kata du coup parce que je vais prendre Swain là c'est sûr hein.
Soit c'est insane, hein. Parce qu'il va nous donner le impérial 4 sur 4 en fait. Car faisons donc le double de dégâts. Est-ce que je peux virer un truc? Non, j'ai que 6. Attends. Je peux rien virer. Ah si, je peux virer un. Un qui est pas maître lame. Je peux virer. Ah, mais du coup, ça donnera pas le buff du coup. Non, non, c'est nul. C'est... Attendez. C'est le GP qu'il faut virer. Ah, qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais? Arrête. Allez, c'est le... Non, je peux virer le GP. Vends la kata et go Swain. Mais en fait, le truc, c'est que je vends kata, j'ai plus impérial buff en fait. Je pense qu'il faut Pex, hein. Mais après, Pex, ça va prendre du temps là. Et on a pas beaucoup de temps parce qu'on peut crever à tout moment maintenant, hein. Là, on est à 21, ça va encore, mais. Il y a des morts, il y a le Wello qui est pas bien. Moi, bah, je suis bien, j'ai l'impression parce que quand même là. Ouah, on le tue là, non? On le tue? Oh! Il s'attendait tellement pas à prendre aussi cher, il est à 1. Ouais, soit il est impérial. Donc, je pense qu'il faut pas, il faut pas virer quelqu'un là, à mon avis, hein. Là, je peux virer personne en soi. Parce que. Ça dépend. Est-ce que Swain. Ah, Swain me donne démon aussi, hein. Putain. Spatule x2, c'est pas possible du coup parce que j'ai plus, j'ai déjà joué une spatule. Je sais pas quoi prendre là, je pique maintenant mais je sais pas quoi prendre. J'ai même pas regardé ce qu'il y avait, j'ai mongolisé. Je fais attaque speed, hein. C'est pas le score qui compte encore une fois, mais je sais l'eau et l'eau. J'ai mis sur pas grand chose. Bah si, j'ai payé, il me donne maître des lames. Ah, je pense qu'il faut qu'on XP là. Je pense que son XP c'est insane, hein. Il faut qu'on XP. Bon, l'arc de Morgana, on est content de l'avoir pris du coup, hein. Attendez, il manque combien d'XP là pour Attends, je peux faire vas-y, admettons j'ai 28, ça fait 7 x 4. Ça fait 7 x 4, 28. Non, ça, ouais, ça coûte, ouais, ça. 4 x 7, 28. Donc je peux monter de 28. Je peux monter à 36 là. Je peux monter à 36. Ok, je tempo encore jusqu'au Swain. On tempo le Swain. Je vais pas vendre Katarina et Darius. Parce que c'est de la game. Si on veut gagner, faut pas vendre tout le late game, hein. Donne l'item à Draven. Peut-être. Ouais, peut-être, vas-y go. C'est bien ça, j'avoue. Allez go Draven. Nique tout le monde. On est contre Yunid. Oh, c'est fort quand même, hein, maître des lames, j'ai l'impression, hein. Ils font je vois les cris de partir là et tout là. En double, en triple. Allez les gars, on est mode compo là. On est mode compo. On va essayer de full booster Draven maintenant, hein. Et là on va pouvoir caler le Swain, je crois. Ou pas encore. Putain, c'est des maths, tellement de maths dans ce jeu, quoi. C'est fou toutes ces maths. Je prends quand même Kata, nique, hein. Ok, 33. Donc je peux faire 8 x 4, 32. 32, je peux monter à 42, il manque 4. Donc est-ce que je vends les deux? Ça sert à rien, je peux vendre la Kata mais ça vaut pas le coup, je pense. Je pense que ça vaut pas le coup, on attend encore un tour, hein. Normalement on meurt pas parce qu'on va pas se faire on pourrait mourir si on se démonter, on sera pas démonté, je pense. Allez, ah, y a un vieux qu'on a invité qui est mort, Yo-Yo Pro 52, Sinei. Prochain tour on fout le vent. Tu sais pas trop le réflage. Non mais j'ai essayé d'économiser mes thunes là pour le coup. Et c'est pour ça qu'on va être level 8 assez vite. Allo Wello TV. On peut tuer le Wello TV. Ah putain, il est chaud par contre, il a sauvage à fond là, il est vénère, hein. Mais là je pense que là le Wello TV malheureusement, hein. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le Wello TV VVV. Le Wello TV. Le Wello TV qui a 2 PV. Ok, alors. J'aime bien compter les mathématiques, c'est bien. Donc le Swain. Donc là on a Impérial 4. Donc les Impériaux infligent des dégâts doublés. Donc Katarina dégâts doublés, Swain dégâts doublés, Darius dégâts doublés, Draven dégâts doublés. Plus mettre. Bon, bah, je pense que je suis AFK là, je pense, hein. À mon avis, si j'ai AFK, je gagne maintenant. Je pense que si j'ai AFK. Faudrait pouvoir booster le GP quand même. Je pense que si j'ai AFK, j'ai gagné. Je pense que même si j'arrête de jouer, j'ai gagné, je pense. C'est rien de level up pendant les monstres. C'est vrai, mais j'allais le faire quand même dans tous les cas, donc. Allez, des items pour Draven maintenant, on veut. Allez, file des items pour Draven. Y'a pas d'item. Allez, une BF pour Draven. Putain, mais les pires items. Non mais sa mère, ça fait quoi ça? Lame maudite, c'est ça qu'on a une chance de rétrograder. En vrai c'est bien sur la carriade, lame maudite, non? Vous en pensez quoi? De toute que ça, donc on va lui donner, hein. Ah, t'es une bête de compo, ouais, je les démonte là, je pense, hein. King Dread, Brandy, rien. Je vais garder Medigold quand même, hein. Ok.
Là maintenant on cherche Draven, Bakata, peut-être encore le Darius, le GP aussi, parce que le GP est encore tier 1, mais ça fait trop chier. Draven, GP sont tier 1. T'as la Fiora depuis le début, trop fort quoi. Will Tame est trop fort en highlight pour downgrade, ok nice. Shen frappe parce que. Putain, j'ai encore le Shen? Oui, tiens, le ça va, ça va. Ah, mais j'ai que Shen, il est vraiment mal placé par contre. Dégage. Non, faut que je change le Swain aussi avec le Shen. Puis tout à l'heure, il est trop mal placé. Ok, on est contre Sharon. Non, par contre, il y a un viewer qui a 74 PV encore là. C'est le viewer qu'on a invité là, je sais plus qui c'est, mais trop chaud quoi. Non, par contre, la Sharon, j'ai l'impression que je suis désolé, Sharon là. Ah, Sharon, je suis désolé, franchement là. Tu sais que je t'aime bien, Sharon, mais là quand même. Sharon, je vais te tuer, là, désolé. Hein. Ah, quoi oh putain, son Kindred fait tellement mal à Sharon là. Ça va qu'on a le Draven qui lâche des grands crits. Hein. Ah, Sharon qui a plus que 23 PV. Sharon qui passe de 23 à 7 PV. Aïe aïe aïe. Aïe aïe Sharon. Ok, Aatrox, on joue le Aatrox ou pas encore? Ouais, en vrai. Ah, on regarde les 20 golds sinon. Vas-y, il y aura mieux. On joue encore. Il va encore rester pas mal de petites parties. Ah, ça sert à rien d'économiser encore le. Swain T2. Plus de 2 kata. Putain, ça m'a coûté tellement cher ce tour du coup là. GP, j'ai raté un GP je crois. J'ai raté un GP juste avant. C'est bon, je l'ai pris, c'est le même. En vrai, c'est le même, hein. C'est juste que la boutique te remet les mêmes trucs en fait. Mais c'est le même en vrai, pour le coup. C'est très probablement le même. Hein. La boutique te met les mêmes en fait. Putain, le soin tier 2, les gars là. Oh putain, on est contre Alexis. Alexis qui est notre stagiaire graphisme. Qui est actuellement deuxième là. Mais qui tombe face à la terrible armée impériale de l'empereur Napoléon Tank. Attendez, par contre, l'empereur là. Swain, tu peux pas ulti là? Swain ulti? Putain, mais Swain il est mort, son ulti! Sa mère Swain! Ok, Alexis il est. Mais il a Tristana tier 3, Shen tier 3, il a tout tier 3, Alexis! Oh ok, bon bah Alexis il va être dur à battre quand même. Hein. Faut pas mourir là parce qu'il y a les piques au prochain tour. Ok, Swain tier 2. Bon là ça va commencer à faire des choses là. Swain tier 2, à mon avis. Je veux pas dire là, mais Swain... à mon avis, Swain tier 2 il va se passer des choses. Je veux pas dire. Mais je pense quand même que le Swain tier 2. Voilà quoi. Je pense que le Swain tier 2 quand même. Allez. Il y a Loello qui a dit j'ai éliminé Sharon Dillon alors que le seul FDP de la game c'est Tank. Merci Loello. Putain, il est contre Alexis encore. Mais il va encore me démonter. Allez, Swain. Allez, Swain tier 2, c'est maintenant là. Allez, putain, il a hook quoi? Il a hook Katarina. Non, il a pas hook en fait. Il a pas de hook. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je dis hook moi? Allez, mais Swain pour ultima, Swain. Il a pas. Allez, Swain ulti. Ulti Swain. Allez, ulti nice. Allez, oh non, mais putain. Allez, Draven. Non, mais sa mère, putain. Mais dis que ta mère, Alexis, putain.